Alors, bah, tout d'abord, présentez-vous. Ah, Camelot. Alors, bah, je suis Flo, chanteur de Death Await, qui joue ce soir. Et moi, Julien, tout nouveau batteur de Death Await, depuis 13 ans. Allez, approche. Allez. C'était il y a fort longtemps, en 2001, je crois, quand on a formé le groupe, et on devait chercher un nom de groupe tout bêtement, et il fallait un truc qui colle un peu dans l'esprit, en tout cas au niveau du nom, et un peu à l'état d'esprit des Soweits, la traduction de ce que ça peut donner. L'année, ça n'a pas joué un peu l'année 2001 des Soweits? Ah, pas du tout! Pas du tout, okay. Pas du tout pour le coup, tu vois, non, c'était pas du tout dans le truc. Okay. Non, c'est vraiment un délire perso en plus pour le coup. D'accord. C'était comme ça, quoi. On a trouvé que ça sonnait bien. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'anecdote croustillante ou quoi que ce soit derrière tout ça. You're not alone. You're dead. One day.
Bonne question. Simple. Toi qui viens d'arriver dans le groupe, comment tu définirais la musique de Deathwaits? Alors, au départ, on m'a vendu Deathwaits comme étant Death Thrash. Et au final, il y a beaucoup plus d'influence que ça dans le dans notre musique, je peux le dire. Oui, la base, elle est bien Death Thrash, mais il y a de la mélo qui rentre, des choses qui rappellent un peu... Pas forcément le death mélo tel qu'on le décrit, mais il y a de la vraie mélo. Il y a des choses qu'on fait, c'est pas juste dans la brutalité. En fait, il y a des passages de bruit, enfin après, de mon impression. Ben, c'est exactement ça, en fait. C'est vrai qu'au départ, c'est vraiment... Il y a des parties sur un peu de Death Thrash et tout, mais au fur et à mesure, ça a un peu changé, là, il n'a pas changé. Donc tout le monde a mis un peu ses influences différentes. Perso, tu vois, je viens de tout ce qui est punk, grind et tout, donc j'étais aussi dans le grind avant, donc je fais des vocaux dans cet esprit-là aussi. Jordan, guitariste qui vient plus, voilà, death mélo, thrash mélo, maintenant apporte beaucoup plus de mélodies dans les riffs, dans la façon de construire les morceaux. Donc voilà, on est un peu, même un peu de hardcore par moment, sur voilà. Donc c'est un mélange de plein de choses. C'est jamais simple de donner définir ces mélanges. Non, là c'est dur. C'est vraiment on n'a pas envie d'être dans des cases en général. Non, mais puis là tant mieux parce que c'est pas le cas réellement. C'est très varié. Française et du métal de l'état du métal en France actuellement dans le sens infrastructure infrastructure, est-ce qu'on est aidé ou pas, est-ce que sur la globalité en fait tu parles de la par rapport à des pays comme les pays de l'Est, quand on regarde l'Allemagne, les pays d'Est, l'Espagne par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la scène, la scène métal française en tant que groupe, est-ce qu'il y a assez de groupes, voilà, et puis la scène métal en tant que institution, si on peut dire, qui tente tant bien que mal de survivre. Ouais, bien sûr. Alors, en tant que groupe, enfin, dire, musicalement, je trouve que c'est une scène qui est plutôt riche. Ouais, parce que, bien de Lyon, et rien qu'à Lyon, il y a un palanquet de groupes, de tous les styles Dio, différents. Jupiter, etc. Voilà, exactement, tout à fait. Game from Beneath, grand groupe de Descore. Non, c'est batteur aussi du Game from Beneath, c'est pour ça que c'est très bien joke. C'est gentil de le placer, ça. Ouais. Non mais voilà, globalement, honnêtement, on a vraiment un vivier de groupe très intéressant. Après, la représentation du style en France, on est un peu les parents pauvres, je te dirais, mais après, ça va aussi un peu avec le style, parce que au final, si on était vraiment mainstream, est-ce que ça nous plairait vraiment aussi? Et encore sur ça, là, bon, après, on fait de la débrouille, on va dire. Après, en termes de soutien, quand tu parlais du soutien, de mon ressenti, il y a un meilleur soutien dans toutes les villes plus petites, on se comprend en termes de, d'affluence. C'est vrai qu'effectivement, tu prends Lyon, Paris, évidemment, Marseille. D'habitude, c'est vrai que les gens bougent moins, sortent moins, sont là beaucoup à parler sur Facebook, de parler de soutenir la scène, machin, et bougent moins, alors que c'est un plaisir de tourner en France, en réalité. Dans toutes des villes, moi, de mon ressenti, dans des villes plus moyennes, où les gens viennent, et mettre quand même des putains de grosses ambiances avec ça. Non, c'est clair, franchement, globalement, c'est... Non, mais après, c'est que tu parlais de l'Allemagne ou d'autres... Merci Jordan. Non, notre guitariste essaie de montrer son zizi, son sexe. Pas du tout. Non mais voilà, globalement... Je l'ai vu là. Tu vois, refait. Rien que ce refait, c'est déjà compliqué. Déjà, c'est assez écœurant. Alors en vrai... tu parlais des pays comme l'Allemagne, où effectivement l'Allemagne est un pays métal, on va dire, les pays scandinaves, les pays de l'Est. Oui, depuis toujours. Voilà, c'est ça. C'est vrai que par rapport à ça, la France a un peu un décalage, mais on arrive quand même maintenant de plus en plus à trouver des lieux intéressants et tout à fait acceptables, on va dire. Alors c'est sûr, c'est pas des transbordeurs ou des grandes salles comme ça, bien sûr, bien évidemment, mais... ça se structure de mieux en mieux, les assos sont de plus en plus professionnels, on va dire. Bah, carrément, enfin, je suis 200% d'accord. On essaye. Oui, mais même chez des gens, parce que pendant des années, il y a eu des mecs
qui ont porté la scène métal d'une génération. Et on s'était à se demander s'il y aurait quelqu'un derrière plus jeune qui serait prêt. Et maintenant, tu retrouves des jeunes qui sont chauds, démarrer des assos, qui ont envie de faire tourner. Et comme ça, c'est plutôt encourageant. Mais comme les groupes, au final, aujourd'hui, tu as des mecs qui se forment, ils ont allez, un an et demi d'existence, les mecs, ils ont déjà tout compris, quoi. Ouais. Ils sont déjà hyper bons musicalement, ils ont déjà bien compris le fonctionnement du business, on va dire. Ouais, oui, avec la com aussi. Avec la com et tout. Moi, quand j'ai commencé la ASIC, je faisais ça dans mon garage, la ZOB. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. On n'avait pas YouTube, on n'avait pas le PC pour la MAO, on n'avait pas ses albums à la maison. Exactement. Donc, tu vois, c'est vraiment, là, tu vois, la nouvelle génération, c'est un peu fou, quoi. Les mecs ont tout compris. Donc c'est vrai que ça aide à professionnaliser un peu le truc. Sur un de vos concerts ou, du coup, moi, je suis obligé de passer la main. Alors, non, j'ai fait que deux concerts avec eux. C'est vrai, c'est que le troisième ce soir. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et... Quoique, même les deux premières, il y a des il s'est déjà passé des choses. Voilà, on va dire. Une anecdote, Christian. Alors, il y en a, mais il faut que je trie. Parce qu'il y a des trucs. Ouais, faut tout pas dire. Ah, si, notre bassiste s'est pissé dessus. Ah, voilà. Ça, on peut le dire. On peut le dire. Voilà, Thomas, ce soir. Il est revenu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Trop de cristalline. Voilà. L'accident bête devant la toilette. Ah, ce fléau lourd. Voilà, mais ça, c'est un truc. On n'en parle pas. On n'en parle pas assez, hein, franchement. Donc voilà, c'est vraiment pour lui jeter une petite crotte de nez, c'était du cul. Mais voilà, non, aussi, il y en a toujours plein, mais voilà, c'est une des plus drôles. On va revenir couvert de pisse. C'est assez drôle. Ouais. Et voir sa soirée finir en caleçon. Ouais, j'espère qu'ils vont prendre du rêve.